GenTurf EVO est une extension de la suite logicielle GenStat et GenTurf RedukMiS. GenTurf EVO tourne sous Android. Pour l'instant, il n'est pas disponible sous Apple, sur des iPhones, mais nous étudions effectivement la possibilité donc, de cette portabilité par la suite. Je vais vous montrer très rapidement effectivement cette application. Vous avez, dès le départ, quand vous avez téléchargé l'application via les applications Google sur votre téléphone Android, on vous propose une présentation. Si vous optez pour la présentation, vous avez donc une présentation avec des explications qui sont données. Ces explications, les présentations, vous bougez de toute façon au fur et à mesure, j'y refais des présentations qui sont données. Nous pouvons voir effectivement les explications qui apparaissent. Et quand vous souhaitez passer effectivement du côté des pronostics, une fois que les explications ont été claires pour vous, eh bien, il vous suffira tout simplement de revenir au pronostic comme je viens de le faire. Pour accéder au pronostic, vous appuyez, donc vous touchez pronostic, le bouton pronostic, et voici donc, nous sommes le 21 juin 2022, les pronostics réalisés pour la R1C3 déjà, sur Saint-Cloud. Alors, certaines courses ne sont pas de toute façon, retenues, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des courses qui sont jouables et d'autres pas jouable. Vous avez donc de haut en bas, la lecture se fait de haut en bas rapidement, et en priorité vous avez comme ici le numéro 3, numéro 2, numéro 6, numéro 9, 16 et 7 qui apparaissent avec leurs cotes respectives à l'instant. Si vous souhaitez donc passer vers la prochaine course, vous glissez vers la droite et vous avez automatiquement donc la prochaine course qui apparaît comme ici à l'écran. Je continue donc sur les différentes courses qui sont proposées. Et ainsi de suite, donc le modèle qui est là. Lorsque vous avez fait vos choix avec cette application qui pour l'instant est gratuite, qui sera payante prochainement, mais qui pour l'instant est gratuite, sauf pour nos abonnés, nos abonnés donc vont pouvoir en fait en bénéficier, et à ce moment là donc vous aurez la possibilité donc de voir les résultats qui vont être à l'arrivée donc des courses, et vous serez surpris de l'efficacité également donc de ces choix. Si vous souhaitez par exemple étudier une course précédente, là je vais prendre les courses du 20, donc là je vais sur le mois ici, donc là je vais sur le mois et sur les courses précédentes, et en cliquant sur les mois effectivement donc on accède effectivement sur les jours précédents, donc là je passe mon doigt sur le mois et là nous étions donc au 19. Alors on va reprendre ici donc les courses du 20, donc je vais appuyer le plus. Et nous sommes ici sur la R1C1 de Nantes. Nous voyons que le résultat, donc le numéro 4, qui est en deuxième position, est arrivé. Il était gagnant. Le numéro 10, un peu plus loin. Nous avons le numéro 4 pour la deuxième de Nantes, qui est affiché à 2,1, qui était gagnant, ainsi que le numéro 3. Je continue sur la droite. Donc là, dans cette course R1C4, malheureusement, en fait, on n'a pas de résultat. Et nous avons donc sur la R1C5, cette fois-ci, nos résultats en simple gagnant qui sont là. Je vais terminer cette démonstration pour GenTurf EVO et puis nous allons continuer sur la présentation donc des autres logiciels de cette série logicielle, cette suite logicielle GenStat et GenTurf. A tout de suite.